Francie Mègevon. Oui, merci, Monsieur le Président. Chers collègues, juste quelques mots pour dire que nous avions déjà eu, il y a près de 4 ans, un débat nourri sur la gestion du service public rendu par les pompes funèbres intercommunales suite à la publication du rapport définitif de la Chambre régionale des comptes. C'est un sujet important qu'il ne faut pas prendre à la légère ou il serait dommage de l'utiliser dans des considérations politiciennes. Je crois plutôt qu'il faut se réjouir collectivement, car nous pouvons d'ores et déjà aujourd'hui observer le chemin parcouru quant à la relation que notre institution entretient avec son outil grâce aux décisions que nous avons prises ici et dans le conseil d'administration, qu'il s'agisse du contrôle des pratiques commerciales comme des dérives constatées de la gestion précédente. Je tiens donc au nom du groupe à tout particulièrement remercier la présidente Danielle Mantounier qui, avec le concours de la nouvelle direction et des membres du CA, ont effectué ce travail considérable de reprise en main et d'un contrôle public accru de la SEM en tant qu'outil d'un service public essentiel à tous. Je vous remercie.